Été 1915. Marie s'est apprêtée pour le départ d'Anselme, son fiancé, partant pour le front avec ses amis Pierre et Gustave, laissant à la ferme une famille déjà endeuillée par la guerre. Ses bleuets de la classe 15 avaient à peine 20 ans. Été formés et élevés au sein de la terre, virgule, leur mère, virgule, qui les a mis au jour. À présent, virgule, ils doivent regarder la terre qu'ils habitent, virgule, comme leur mère, virgule, leur nourrice, virgule, la défendre si on l'attaque et considérer les autres citoyens comme des frères, virgule, sortis comme eux du sein de la terre. Point final. Comme on voit dans ce texte, nos valeurs sont communes à la Grèce ancienne. Il y a 6000 ans, les Grecs, seuls les paysans possédaient la terre, à travers le mythe du soldat, l'idéal du soldat paysan. Pour les Grecs, l'agriculture
formaient de bons soldats grâce à leur travail et leur attachement de la terre. Ils pouvaient défendre la cité si elle était attaquée grâce à leur attachement de la terre nourricière. Et nous, c'est la même chose. Vos frères, vos pères défendront la nation, le sol sur lequel vous vivez, contre l'impérialisme allemand. Maintenant, passons au poème du jour. Les volontaires ? Battez tambour, nous voici enfin de retour. Alsace lorraine, séchez vos larmes, chantez la fortune de nos armes, car rien ne saurait résister à la justice, à la liberté. Vous pouvez clamer vive la France, car l'Allemand à jamais chassé ne saura plus se relever que pour se mettre à genoux, pour obtenir son pardon de vous. Par toutes les lâchetés qu'il a commis, le monde à jamais il est banni. Nous voici de retour, sonnez clairons, battez tambour, nous voici enfin de retour. Alsace, Lorraine, séchez vos larmes, chantez la fortune de vos armes, car rien ne saurait résister jusqu'à la justice et la liberté. Hé les gars, enfin vous êtes prêts au lac pour la bataille d'hier ? Les preuves, mais on change de nez pour se battre à genoux. Ouais, c'est toujours mieux ta bouche. Parce que là, c'est moche. Il n'y a pas de filles aux batailles. Les siens, on peut faire les infirmières. Hé, hey, Matteo, viens, tu tailles aussi ? Non, faut que je vais aider à la ferme. Le Trujette n'a pas besoin de taille. Pareil que si on a besoin de gars, on attrape sur quelque chose. Mais tu fais en taille. Tout à gauche, tout face, qu'un planquier d'abord. Problème, Mathieu ? Non, monsieur, pas mal. Silence ! Viens ici ! Français dans l'école de la République. Le galop, c'est bon pour les vaches. Un peuple, c'est une langue. L'unité de la nation passe par la langue. Seule l'unité de la nation vaincra l'impérialisme allemand. Sûrement pas. J'en ai marre de l'école, ça sert à rien. Je suis plus utile à la ferme tous les jours. Ah, là, même pas question. Ah, regarde, tu ne vaut jamais. Ton frère voudrait que tu ailles aussi. Mais non, non. Je crois que notre bonhomme, c'est pour savoir ce que je dis. Hein. Elle va être pas comme Marion non plus. D'accord. En attendant qu'il rentre, c'est ta mère ou Mike. Attends d'avoir du poil au menton pour faire le fait. C'est pour tes litadis. C'est suffit pour une petite bestiole. Et t'écris comment pouvoir ? Si ton frère savait pourquoi écrire, on n'aurait jamais de nouvelles du front. Ah voilà, pas dû aller, Hardy. Sans l'œil écrire, rentre plus. Le facteur a toujours un ? Pas plus que les autres. Pas ton nom.
Pierre. La mère et toi, il veut ? On est couché, ça va pas faire rien. Et les Kyo, comment que c'est ? On a que nous mieux. Au moins, on a plus de chou à nourrir. Puchidon ? Il n'y a plus un chouette dans tout le village, tous mobilisés comme vous autres. Faut prendre les bœufs de chez Adèle. J'ai vraiment pour nous et m'y mettre avant que de repartir, mesdames. Tu repars déjà ? Non. Un pain merdier pour 7 jours de repos. Et pas cher payé, comme dirait l'autre. Et Cromaille, sont pas prêts de décamper de sitôt, là. Et là, fait 2 semaines qu'on a plus de nouvelles, pas même une lettre. C'est fait tirer ensemble, pour chier qu'ils rentrent pas aux tailles. Dame, j'en sais pas plus que vous autres. Les prisonniers ? Moitié, mais. La dernière fois que je l'ai vu, il t'échappe dans un pertu de marmite entre notre ligne et le débauche. Qui ? On venait de donner l'assaut. Et là, faisait 15 jours qu'on était en première ligne, dans le secteur du bois de la Guée. Les jours passés, on avait déjà repoussé 2 assauts boches. Notre artillerie pilonnait depuis une bonne heure. On allait sortir au petit jour. On va sortir. J'espère que vous avez fait le ménage avant de partir. Faites votre boulot, vous serez relevé avant la nuit. Que Dieu vous garde, les gars. Baïonnette au canon! Pour la France, en avant! Thank you.
passé le mi-temps du No Man's Land quand les mitrailleuses de ces Guillaume se sont mises à faire loup-bruit. On s'est fait charcuter. Le restant du 108 est venu s'enfourcher sur les séchoirs. Au début, c'est juste, mais on s'est habitué. Ils ont fait nous des sauvages. Pour renforcer les parapets, on sert les corps des copains curvés dans la tranchée. Ceux du No Man's Land demeurent pourrir là-bas. On ne peut pas les reprendre. Les obus les enterrent, coquefaille. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Balancer le saloperie de moutarde, alors on s'est replié. De toute façon, c'était perdu d'avance. Puis, Anselme s'est pris les pattes dans les filles, on se faisait charcuter. Alors je me suis sauvé. Seul Bosch ! Ils n'ont rien demandé non plus. C'est nos commandos, les fumiers. L'armée et les beaux messieurs de Paris. Tous planqués qui font des affaires sur la misère des peuples. Nous, on est que les pauvres couilles dans le front, comme on dit. Mais Orsal n'est point écrit qu'il aimerait. Le père de Zvo, ça n'est pas corps. Pauvre vieux. Un éclat l'autre a traversé le Paco. Il a traîné sa viande sur 100 pas avant de crever la gueule ouverte lui aussi. Au champ d'honneur, comme ils disent. Oh!
Petit ours. Vol. Goth. Thank you.
Franzugis, what is wine? Oh, scheiße. Französisch? Ich bin Adolf. Adolf. Hein? Anselme. 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 Ouais. Et je bin Meisager. Ah, ja. Jouti. Yo. Yo. Paysan. J'ai acheté des cartoffels. Herbar. Écoute, je sais bien que tu veux qu'on y croire, mais je pense que tu ne le reverras pas. Il n'y a rien qui survit de là-bas. Tu feras le bonjour chez Taï? Je vais chez Guzma pour leur expliquer. Pierre reviendra indemne de la guerre, mais elle ne le quittera jamais pour autant. Certains diront qu'il était devenu fou.
Anselme. Yor là. Donc. Oh! Eh oh, nom de Dieu, mais! Eh! Faut pas se gêner! Arrête l'homme, il m'en dit! Eh! Oh! Arrête! Mon Dieu! Beautiful. Le fiancé. Ouais. Beautiful, bien sûr. Mais c'est un frère. Mais un frère. Mein Freund. Si je crois. Mais il croit où ? Oui. Voilà.
farine. C'est en représailles de l'assaut manqué que ce jour-là ont tiré les canons français. Merde! On ne reverra jamais en scène. Bonjour Marie. Bonjour. Sur là, de l'hôpital d'Aquarouge, dans le Nord. Un hôpital? Je sais pas plus. Allez, on en va. Au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées.
Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puretins. Tous les camarades sont en terre et là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre vie.